Salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Dawson. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui donc pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Alors, après cette défaite de 1, comment va se dérouler le match retour? Je ne sais pas. On attend évidemment la victoire. J'étais peut-être un peu trop vite, mais c'est pas grave, tant pis. On veut évidemment cette finale. Mais on a... Le match aller a montré quand même que l'équipe du Shakhtar a vraiment un talent caché avec ses Brésiliens. C'est vraiment une équipe très difficile à jouer, ça paraît pas comme ça, mais c'est parti. Pour ce match retour, la tâche s'annonce particulièrement compliquée pour les visiteurs. Ils ont fait un très mauvais résultat à l'aller, ils sont condamnés à l'exploit là. Des joueurs qui doivent rebondir hein, tout de suite après une défaite concédée devant leur public. Les joueurs qui finissent par score de 2-1 et on les sent capables de décrocher une victoire cette fois et de se relancer. Oui, Matuidi suspendu, c'est Mota le capitaine. Matuidi remplacé par Rabiot. Bien évidemment. Edinson Cavani, un joueur dont il faudra surveiller la prestation de près. 17 buts en championnat pour lui cette saison, les stats parlent d'elles-mêmes. Alors j'ai pas compris le match aller. Thiago Silva était suspendu et quand j'ai voulu le mettre, j'ai vu qu'il avait toujours le carton rouge. Alors je n'ai pas compris pourquoi. Normalement, il aurait dû revenir pour le match retour, mais j'ai pas compris. Je le dis tout de suite là, quand vous disiez mais Thiago Silva devait pas revenir, bah si, mais malheureusement je sais pas. Pas tout compris. Canaliser les offensives de l'adversaire. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec ouais, il faut espérer vraiment un résultat. Deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. À la perte de alors Ben Arfa, donc il a le pansement à côté de son nom, donc ce qui veut dire qu'il est en convalescence. Je vais pas le titulariser ou le mettre remplaçant, sachant que je sais que je l'utiliserai pas par rapport à sa blessure, pour éviter de le blesser encore plus. Puis sachez que c'est monsieur Viggo Toxvig qui sera l'arbitre de un Danois. Rencontre. J'allais dire Björg, mais non, c'est suédois. Allez, arbitre. Allez, on est condamné à l'exploit, c'est parti. Voilà, c'est parti. Ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Alors, arrêtez de faire n'importe quoi. On s'approche de la zone de vérité. Voilà. Non, Di Maria, putain, non. Oh putain, mais c'est pas possible, mais je suis pas aidé. La touche. Allez, 37 secondes, il se blesse. Putain, ah maintenant on a Ongenda. Ça peut très bien faire un but. Ah, on est vraiment pas aidé là. Finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. La touche, très bonne intervention défensive. Enfoiré. Il s'avance vers la surface. Ouais, le bon centre là. Paris. Oh là là. Alors, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Thiago Motta. Adrien Rabiot. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Allez, peut-être une bonne occasion. Mota. Ouais, le ballon qui continue. Putain, c'est pas possible. Il va le prendre. Maxime Malichev. Hop, 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 hop. Kurzawa. Erwin Ogenda. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Allez, 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 les gars. Une victoire 1-0 nous qualifie. Ouais,
Taras Stepanenko. Allez, le tacle et ça sort en touche. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Attention, il a du champ devant lui. Oh, ça continue. Marlos. Oh là 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 là. Oh, ça a rasé la balle transversale. Les Brésiliens du Shakhtar nous font vraiment, vraiment, vraiment très mal. Il faut dire ce qui est. J'ai peur qu'il va falloir que j'augmente un peu la... On s'approche du but. Comment dire ? Tiens, hop. Comme ça, j'ai... Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Erwin Ogenda. Marco Verratti. Kurzawa. Verratti. Oh, j'ai cru que j'étais en train de me louper. Mota. Marco Verratti. Attention, il y a un passe devant lui. Et donc, sortie de but. Belle passe, mais malheureusement... Piatov. Marlos. Dentinho. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le centre, attention. Ah oh, putain, perdu dans une zone dangereuse. Ils ont une niaque, mais laisse tomber quoi. Il prend sa chance. Ça passe très très loin du cadre. Ils ont une niaque que nous on n'a pas. Thomas Meunier. Thiago Motta. Cavani. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, dans le trou. Il va y aller. Wow. Le gardien qui repousse. Oh wow, putain, dommage. Ouais, après pour reprendre ce ballon. C'était bien vu, c'était bien joué. Mais malheureusement. Dentinho. Marlos. Attention, ça peut être dangereux. Oh, allez, genre. Attention, on est dans la surface. Verratti. Adrien Rabiot. Oh, putain, dommage. Taras Stepanenko. Maxime Malichev. Marlos. Wow. Ouais, un bon ballon d'attaque. Oh genre. Oh, je passe à travers. Non, eh, oh. Oula. Manque d'application. Oula. La défense qui peut devenir le danger. Finalement, l'arbitre hors jeu. Signale un hors-jeu. Oh, ce dégagement de merde. Signé Mota. Eh. Ouais, bah viens Kimpembe, on a pas trop le choix là. Kurzawa. Cavani. Marco Verratti. Adrien Rabiot. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle. Mais putain, pas dans le dos. Taras Stepanenko. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Tiens, hop. Le ballon qui sort, touche. Prends-la à gauche, prends-la à gauche. À gauche, à gauche.
Oh, bien vu. On s'approche de la zone de vérité. Tiens. Marlos. Putain. Il ouvre le score. Il mène contre toute attente, mais ça n'a rien de scandaleux sur ce qu'on a vu. Absolument, ils ne sont pas laissés impressionner, ils ont pris des bonnes initiatives. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Je l'ai dit, te prends pas de but, c'est la première chose que je me prends, quoi. Adrien Rabiot. Motin. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ça n'ira pas plus loin. Ah, et l'arbitre a qui a sifflé main. Pff, allez. Ah, elle a du potentiel. Ah oui, le tir. Oh, ça sort. Je vous le dis, ces Brésiliens nous font mal. Ils nous font très très mal. C'est vrai que le Shakhtar, c'est une équipe où on parle quasiment pas. Cavani. Mais ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, du point, le gardien. Et la voilà, la frappe. Ouais, dommage. Un tir raté, pas qu'un peu. Allez, supporter, chantez là, donnez-nous de l'espoir. Avec son gardien. Parce que maintenant on a deux buts à mettre. Déjà au moins pour firer aux prolongations. Si on veut vraiment gagner ce match, il faut qu'on en mette 3. Je vais pas faire une petite gaffe là en défense. Il s'avance vers la surface. Le putain. Centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Erwin Agenda. Ouais, non. C'est Marlos. Pas à peine de tenter un tacle. Un dribble avec Agenda, c'est pas la peine. Mais il parvient à stopper cette offense. Regardez-le ! Le mec, il est inarrêtable ! Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Marco Verratti. Thiago Motta. Lucas. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Il a anticipé la trajectoire, il a bien intercepté. Il perd le ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, non, je te rassure, je provoquerai pas de pénalty. Ah non, c'est pas bien fait ça. Putain. Ouais, dans le trou. Il prend sa chance. Oh, il attrape. Oh, l'occasion. Oh là 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 là. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Lucas. Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et pourquoi ils passent pas là où je demande ? Ça, j'arrive pas à comprendre. Taras Stepanenko. Allez, oui. Ah, oh, l'interception, il a tout anticipé. Marco Verratti. C'est ah non, pourri cette passe, c'est pourri. Attention, il a du champ devant lui. Ah putain. Interception. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, le grand danger! Ouais, ça passe à côté. Sans vous mentir, pour moi, la Ligue des Champions, elle est finie là. Elle est finie. C'est pas la peine. J'arrive pas contre le Shakhtar. Je sais pas pourquoi. Enfin, si.
Les Brésiliens nous font vraiment trop mal. Allez, faute. La faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Putain. Il va passer en profondeur. Allez, tiens, vas-y, casse-toi. Oh, la faute. Je suis obligé de faire des fautes pour les arrêter, monsieur l'arbitre. Putain. Paris Saint-Germain qui s'est rendu coupable d'une faute grossière. Ouais, qui prend un avertissement justifié. Sans mentir, je crois que les cartons jaunes vont pleuvoir. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Et à l'interception, c'est Marco Verratti. Marco Verratti. Ouais, jolie conservation du ballon. Lucas, pas de soucis pour le gardien. Oh putain. Marco Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Mais comment ils font pour récupérer ce ballon? C'est pas possible. Dentinho. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Le mec, ils arrivent à récupérer des ballons, tu sais même pas comment ils font. Erwin Agenda. Il la joue un petit peu comme au Rwanda. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Bah, faute. Bah oui, monsieur l'arbitre, putain. Pas comme il ouvre son coup franc. C'est bizarre, vous faites comme dans les entraînements. Dans les entraînements, ça marche et pas en match. Allez comprendre la chose. On s'approche du but. Et le tir d'Edinson Cavani. Voilà. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Merci. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Genre. Ouais, bien joué la remise. Oh putain. Marlos. Non, c'est pas pour lui. Putain. Et quand même, hein, ça commence à devenir dangereux. Ouais, il donne de l'air à son équipe. M'en doutais. Tyson. Et il continue tout seul. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Erwin Agenda. Bonne récupération au milieu de terrain. Jaroslav Rakitski. Tiens, casse-toi, connard. Et ils obtiennent un coup franc. Maintenant, on va être plus direct. On n'a pas le choix. On est obligé d'être direct. Ça va être des tacles, des tacles. On peut pas les attraper, ces Brésiliens. Ils montrent bien le mauvais timing sur ce tacle. C'est là que tu vois qu'ils sont pas en demi-finale pour rien, quoi. Non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, putain! Je désespère, là franchement c'est même pas la peine. Je peux pas mettre 3 buts avec une équipe de bras cassés comme ça. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, mets-le ton but là, fais-nous, voilà. L'arbitre qui sanctionne logiquement le joueur parisien. De toute façon, il y aura des cartons, ça je vous l'ai dit, il y aura des cartons, ça va pleuvoir. Et je pense même que je finirai pas le match à 11. Le dernier mot pour le gardien. Erwin Agenda. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon. Mais comme par hasard, ils sont toujours sur la trajectoire.
elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Allez, quel... Bah allez-y bordel, dormez pas bordel, merde. C'est un centre, il met la tête. Bon allez, c'est fini, la Ligue des Champions est finie pour nous, je suis désolé. On peut rien faire contre cette équipe, c'est quoi ce délire? Y'a un troll ou c'est quoi le délire là? 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ah c'est fini, c'est 4 buts à mettre, c'est fini. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, le bon ballon là. Edinson Cavani. Eh oui, Edinson Cavani qui inscrit ce but. Ouais, 3 buts à mettre. On va voir le ralenti, c'est pas souvent que je peux voir un but de Cavani, moi. Il a vraiment mis tout ce qu'il a dans cette frappe. Hein. Ça passe sur la droite du gardien. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Attention, il a du champ devant lui. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Ouais, excellente interception, bien joué. Putain ! Le tir, ballon bien négocié par le gardien. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais je t'ai jamais demandé. Oh là là. C'est quoi ce délire, sérieux? C'est quoi ce délire? Ils sont en train de. Allez, expulsion. Ah, il a déjà été averti. Ça c'est fait. Dégage. J'avais dit, je sais que je finirai pas le match à 11. Je l'avais dit. Expulsion du défenseur. Oui, c'est une intervention dont il aurait pu se passer, Hervé, en plus. Enfin, maintenant, il va falloir tout changer en défense. Bon, genre, il y a péno, mais c'est quoi ce délire, là? Pff, payé, l'arbitre, il est payé, c'est pas possible. Eh ben, il y a une justice, hein. Putain. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Marco Verratti. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, excellente pas. Attention à la frappe. Bah, ouais, c'est fini. Laisse tomber. Là, c'est 6 buts à mettre. C'est plus possible. C'est plus possible. En tout cas, le joueur rentre. Et à peine rentré, il marque. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus. Elle se montre plus entreprenante. C'est logique. Thiago Motta, on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oui, dans la course. Mais là, il n'y a pas pénalty, monsieur l'arbitre. Ah, ça ne passe pas. Putain, mais sérieux, elle va te faire enculer, gros bâtard. D'où il n'y a pas péno, quoi. L'autre, il me fauche, il n'y a pas pénalty, quoi. Le panneau du quatrième. Moi, je fais une main, qui est peut-être involontaire, il y a pénalty. Non, mais attends, t'es sérieux, là. Putain. Ah mais si vous voulez que Shakhtar aille en finale, fallait me le dire, je m'emmerde pas à jouer quoi. Je m'emmerde pas à jouer, ça sert à rien. Putain. C'est hallucinant quoi. Maintenant on te fauche, y'a pas penalty. Il centre vers Lucas. Ouais, t'arrives même pas à les rattraper quoi. Les 30 derniers mètres. C'est le ouais, va le mettre ton but, vas-y je te laisse. Mais tu le mets même pas, en plus c'est une quiche, putain connard va. Thomas Meunier. Lucas. Ouais, tu vas donner ce centre. Oh, bon, genre, putain, genre c'est sur la barre. Maxime Malichev. Ah,
Adrien Rabiot. Thomas Meunier. Oh, putain. Ça, c'est un truc qui est pas sifflé, ça, dans les FIFA. Les pieds hauts. Taras Stepanenko. Marlos. Cette demi-finale retour qui s'annonce compliquée. Hein. Non, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle est finie. Nuance. Nuance, elle est finie, la Ligue des Champions. Là, faut même pas espérer la finale. C'est reparti pour 45 minutes. Attention, non, mais... pas commettre de faute. Attention à cette perte de balle. Oui, comme par hasard, ça lui retombe dessus. Il sait d'avance où je vais aller. Oh là là là, catastrophique. Catastrophique, les joueurs. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Ouais, tiens. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Maxime Malichev, Dentinho, Taras Stepanenko. Attention, ça peut être dangereux. Ah non, c'est pas bien fait ça. Marco Verratti, Cavani. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Erwin Agenda. Adrien Rabiot. Ah, facile la récupération. Passe là où je te le demande. Je vais pas le répéter mille fois. Mota. Erwin Agenda. Ouais, bonne sortie du gardien. Oh, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Taras Stepanenko. Dentinho. Le mec, c'était un bulldozer, tu sais, tu le tacles, il tombe même pas, tu sais. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Regardez ça, elle arrive à me rattraper. Le ballon qui n'est pas. Mais moi, dès que je défends, j'arrive pas à le rattraper, c'est quoi ce bins là? Verratti. Mota. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouh là là, ça s'est joué à rien. On va pas avoir le choix, tenter les frappes de loin. Mais là, je suis vraiment, franchement, je suis à court d'idées dans quoi faire. Bah, tu vois, comme par hasard, moi j'aurais fait ça. Enfin, lui il m'aurait fait ça, j'aurais pas pu l'avoir. Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et le tir d'Edinson qui a... Corner. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Marquinhos. Et il marque. Ah, il faut faire attention sur les corners. Hein. C'est toujours dangereux potentiellement. Et ça a payé cette fois-ci. Il tient le ralenti du but parisien. Ce coup franc. Le joueur du PSG qui place une frappe parfaite. Il n'y a rien à dire. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Ouais, bien joué la talonnade. Oh Marco Verratti. Oh Marco. Ouais, ben, là, tu nous as fait une zizou là. Erwin Agenda. Serna. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. À la touche à venir après ce bon tacle. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il opte pour le centre. Adrien Rabiot. Ah putain, Agenda. C'est son équipe maintenant. Encore, tu seras hors jeu, tu seras arrêté, je dis pas, mais là t'étais pas hors jeu, gros. T'as largement le temps. Ah bah
tu passes à travers les jambes des joueurs, quoi. Ouais, il a un peu d'espace. Le tir. Ouais, il arrive gardien sans souci. Cavani. Edinson Cavani. On s'approche de la zone de vérité. Il va y aller. Pour le gardien. Et le gardien qui remporte son duel. Ouais, la bonne intention. Mais pourquoi je passe à travers comme ça là? Sortie de but. Oh, il la touche en dernier. Oh là là là, mais c'est quoi cet arbitre? C'est quoi cet arbitre? Putain, ouais, là touche pour nous. Là, tu me dis touche pour eux. Là, par contre, je te fous une gifle, hein, gros. Je te le dis direct. Allez, c'est bon, on l'a eu. Thomas Meunier. Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. C'est pas comme ça que j'aurais dû la passer, mais c'est pas grave. Thiago Motta. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué, il a raison de tenter. Hein. Marlos. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Serna. Ah, il perd ce ballon. Lucas. Adrien Rabiot. Thiago Motta. Il s'avance vers la surface. Oh putain. Tyson. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bernard. Tara Stepanenko. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler. Marlos. Ouais, c'était pas loin, mais c'est au-dessus. Là, il n'y a qu'une chose que je veux, c'est juste égaliser. Dire je ne suis pas éliminé en ayant perdu les deux matchs. Adrien Rabiot. Edinson Cavani. Mais bon, on peut pas dire le contraire. Qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Fred. Marlos. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Thomas Meunier. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr. Adrien Rabiot. Corner. Ça donne un corner pour les Parisiens. Marco Verratti. Le défenseur qui contre ce ballon. Thomas Meunier. Et est-ce qu'il va sortir un carton? Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. Edinson Cavani. Il n'y a pas faute là, non? D'accord. Récupération du ballon. Pourquoi pas? En même temps, je suis con, je pose la question. Évidemment que non, il n'y a pas faute. Bernard. Regardez comment ils nous font mal, quoi. Vas-y, tiens, et casse-toi, enculé. Là, au moins, c'est clair. Le joueur parisien. Au moins, tu perdras le ballon comme ça. Oui, pour lui, si tu pouvais perdre ta jambe, ça m'arrangerait aussi. Moins malheureux que son coéquipier tout à l'heure, mais enfin, attention quand même. Hein. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Bon. Maxime Malichev, l'arbitre qui n'a pas... Bernard. Ouais, biscotte pour Cavani. Pour écarter le danger.
Le ballon sort en corner. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Le jaune. Là, franchement, on doit avoir quasiment presque tous les joueurs avertis, tu sais. Edinson Cavani. Erwin Agenda. Voilà. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Allez, passe! Mota. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Jolie séquence de passe. Erwin Agenda. Marco Verratti. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Alors, le jeu, il est gentil. Mais quand je demande Marco Verratti, on met pas 3 jours pour me le donner. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Bernard. Maxime Malichef. Et Marquinhos surgit et intercepte. Et c'est sifflé, que dit l'arbitre? Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Marquinhos, t'auras jamais dû sortir du mur. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Ah, ça circulait bien. Finalement, c'est intercepté. Franchement, il sortait pas du mur, je faisais une action de but, quoi. Dernière minute, hein, nous y sommes. Attention. Ah oui. Arbitre qui siffle contre le PSG. Ah ouais, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Franchement, j'ai hâte que le match se finisse. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. L'appel de balle et la passe en profondeur. C'est une tête. Le ballon est sorti. Ce sera un corner donc. Ouais, la belle tête. Impérial. Kevin Trapp sur ce ballon. Il donne son ballon. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Là, ils m'ont bien bloqué là. Fred, ils ont décidé de... Le joueur du Paris Saint-Germain. Bah, ce que je dis, tous les joueurs vont avoir une biscotte. Là, c'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre à la gueule. Mais comme ça, tu peux les arrêter, sinon c'est pas possible. Touche. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Lucas. Adrien Rabiot. Mota. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Eh bien, l'intervention, changement de position. C'est pas la peine. Adrien Rabiot. Thiago Motta. Motta. Bougez, s'il vous plaît, bougez. Encore une bonne passe. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Erwin Agenda. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Les défenseurs qui sauvent son équipe, oh, incroyable. Ce match est assez équilibré au niveau de la possession. Hein. Ouais, les stats sont assez clairs à ce niveau. Ouais, la frappe.
Mais d'où ils arrivent à récupérer les ballons comme ça là, c'est pas possible. Tiens, casse-toi. Expulsion. Deux défenseurs en moins, allez hop. De toute façon là c'était plus possible. Vu le temps qu'il reste, c'était pas possible. Mais remplacement quand même. Faut mettre un capitaine. Ah oui mais merde je peux pas. Attendez. Verratti capitaine, ok. Au plongeon de Kevin Trapp pour écarter le danger. On voit les statistiques sur les corners. Ah, bien fait de la part du gardien sur ce ballon dans la surface. Récupéré par l'adversaire. Les 30 derniers mètres. Oh, le but peut-être. Pas de problème pour le gardien. Allez, le centre maintenant. Le centre. Tyson. Oh, le voilà. Ah, quand on est plus nombreux, ça peut aider quand même. Hein. Ah, il faut encore bien jouer ce coup-là. Hein. Superbe ce but. Hein. On ne prend pas le temps de contrôler. Ça file au ras du menton gauche. 4 à 2. Avance de 2 buts au tableau d'affichage. On s'approche du but. Lucas qui est passé. Un geste défensif, ce sera donc une touche. Verratti. La frappe. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ouais, et la main. Ouais, l'arbitre l'a bien vu. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il lui donne en profondeur. Il perd le ballon. Corner. Très propre le tacle pour mettre le ballon au corner. Et le gardien a sorti au point. Touche. Touche pour les joueurs de la capitale. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Cavani, elle la voilà la frappe. Non, sa frappe est bien. Bah de toute façon, là, je sais pas quoi vous dire là, les amis. Y a rien à dire. De toute façon, on est éliminé, ça c'est clair et net et en beauté. Hein. Marlos, on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Erwin Ogenda. Putain, par Ogenda, il sait même pas dribbler. Putain, hop. Et il y a faute. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Allez, Verratti, qui va prendre un jaune sur cette faute. Allez Lucas, putain, 30 fois que je te demande le bas de... Il s'avance vers la surface. Putain, hop. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Maxime Malichev. Choisit la frappe. Et l'attaque va s'arrêter là. Genre le ballon lui revient dessus, mais vas-y, tu sais. Casse-toi, va te faire enculer. Supériorité numérique, donc t'as bien su profiter l'équipe. Ouais, évidemment, c'est plus facile de se rendre disponible et de se démarquer, mais c'est une belle action. 5 buts à 2. Ah, les spectateurs sont gâtés en but, en tout cas. Ouais, un bon ballon d'attaque.
Et ce centre qui est contré. Adrien Rabiot. Et elle est au fond. Ah, le but ne change pas grand chose, hein, mais au moins ça lui permet de soigner ses stats personnels. Oh le but, oh non, le but encaissé. Le match qui bascule dans ces dernières minutes. Et ils sont pour l'instant éliminés sur le score cumulé des deux matchs. Ah bah de toute façon oui, il n'y a même pas pour l'instant, c'est on est éliminé, point barre, il n'y a pas à tortiller du cul. Oui, c'est donné un espace. Oh, je suis chaud. Ça pousse pas mal en ce moment. De toute façon, un 6-3, 5-3. Non, plus rien à branler. Là, franchement, je vous le dis. Il reprend de la tête. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimètres. Bernard. Merci. Verratti. Il n'y a pas faute. Bon. Peut-être une bonne opportunité, attention. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'eux ils me rattrapent en 2-2 en défense, comme si j'étais jamais fatigué. Et moi je galère à chaque fois pour les rattraper. Ah, il y aura pas mal de temps additionnel, 5 minutes en plus. Marco Verratti, on s'approche du but. Erwin Agenda. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Fred. Franchement, il ne me serait pas rentré dedans. J'aurais pu aller droit au but. C'est une faute alors qu'on approche de la fin. Le joueur du Paris Saint-Germain. Qui s'est rendu coupable d'une faute grossière. Oui, qui prend un avertissement justifié. Allez, peut-être une bonne occasion. Et putain, mais. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Interception. Expulsion de Rabiot. Ah, il est expulsé, c'est son deuxième. C'est le règlement, hein. Bah, il le savait qu'il risquait l'expulsion aussi. Hein. Tu peux siffler l'arbitre, s'il te plaît? Parce que je vois pas à quoi ça sert de continuer un match là où tu sais déjà que t'es éliminé, quoi. Tu peux siffler l'arbitre. Hein. Arrête, je vous pense, on bat les couilles. Hein. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, l'attaque enrayée. Marco Verratti. Erwin Agenda. Oh, c'est l'interception. Marlos. Ouais, bien fait ça. Malichev. Ouais, quel but, magnifique. Ça fait plaisir à voir, hein. Le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on va pas s'épater pour ça, ça devrait toujours être le cas au niveau pro. Hein. Et le score qui est le 6-3, c'est un match de dingue. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Enfin, tu siffles, allez hop, c'est l'élimination. La fin du calvaire pour certains, 9 buts dans ce match très spectaculaire. Score final 6-3, c'est quand même rare. Ils sont éliminés après cette demi-finale sur l'ensemble des deux matchs. Les adversaires se sont montrés plus efficaces, plus forts. C'est impossible. Franchement, le Shakhtar, c'est une équipe impossible à arrêter dans le jeu. C'est quoi ce délire? Ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Les Brésiliens, franchement, ils nous cassent les couilles là dans le match. Là, ils nous ont cassé les couilles. Son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Ah, Juventus Tottenham, un partout. Mais bon, ça me dit pas qui est en finale. Je pense que vous êtes curieux de savoir qui gagne la Ligue des Champions quand même. Au moins on aura ça. Finale, voilà. Tottenham Shakhtar. Qui gagne?
Ah bah Tottenham, il y a une justice. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour l'élimination, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement ça a rien fait. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera bientôt donc pour le match face à Saint-Étienne à Geoffroy Guichard. Pour la Ligue des Champions, on se retrouvera l'année prochaine. En attendant, restez chaud patate. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.